C'est Mimi et je viens enfin vous faire un petit bilan de ce petit mois d'octobre. Je vous ai lâchement abandonné, j'ai été rattrapée par une trachéite qu'on entend encore un petit peu, ma petite aussi, mon mari aussi, enfin bon, c'était l'hécatombe. Voilà, j'ai encore passé ma nuit à tousser, mais je me suis dit, là, je peux plus. On va être déjà à la fin des vacances, il faut que je revienne vous faire un petit coucou. J'ai essayé de me recoiffer ce matin avec ma technique de scrunch, mais c'est pas encore maîtrisé. Bon, bref, je viens et je me suis dit que j'allais vous faire un petit bilan de ce mois, même si j'ai pas tenu jusqu'au bout les vidéos, je voulais quand même vous faire un dernier petit coucou sur ce format court. Je vais vous mettre les petites tenues jusqu'à Halloween et jusqu'à hier encore, et puis je reviens vous parler un petit peu de tout ça. Pour tout vous avouer, sur cette dernière semaine, je vous ai pas mis toutes les tenues parce que des fois je me changeais en plein milieu de la journée. Parce que j'étais crevée, je préparais plus mes tenues pendant les vacances, j'ai pas fait, et puis parce que j'étais encore malade. Donc ça a été un petit peu moins sérieux que sur les trois premières. Oui, c'est ça, trois premières semaines. Mais ce que j'en retire quand même, c'est que c'est beaucoup plus confortable pour moi de les préparer la veille. Et je pensais pas. Je vais faire un petit clin d'œil à Camille Depan qui vient de sortir une vidéo. Ça faisait longtemps qu'elle n'en avait pas fait. Et on a discuté un petit peu suite à mes vidéos parce que ça a déclenché pas mal d'interrogations aussi chez elle. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié qu'elle se pose ces questions-là et qu'elle voilà, que je sois un petit peu le déclic de se poser ces questions. Pourquoi on ne porte pas ces pulls faits main pour lesquels on peut passer un temps non négligeable à tricoter avec grand plaisir et puis finalement bah, se retrouver à pas porter ce qu'on crée. Alors, c'est pas trop mon cas. C'est vrai que pour le moment, j'ai réussi. Même s'il y a des petits détails qui ne me plaisent pas dans certains de mes pulls, et donc certains qui ont une encolure trop large, ou mon Whitmore qui n'est toujours pas réparé, des choses comme ça, dans l'ensemble, je porte quand même mes pulls faits main. C'est presque l'inverse, et j'ai d'autres vêtements que je ne porte plus parce que je culpabilise quand je ne porte pas ce que j'ai passé du temps à faire. Mais toujours est-il, voilà, vous êtes. Enfin, Camille n'est pas toute seule à m'avoir dit que voilà, vous avez apprécié ce format de se poser un petit peu plus de questions sur notre pratique du tricot, nos tenues, enfin voilà, qu'est-ce qu'on véhicule comme image à travers ce loisir-là, à travers cet amour des arts textiles, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Et surtout, je voulais revenir sur la notion de ben c'est pas figé. C'est pas parce que moi par exemple j'aime pas trop détricoter les choses. Je me suis dit que par exemple le challenge ça va être de détricoter le début du châle MCAL de Stephen West, parce que si vous avez loupé l'épisode, je ne le continue pas, puisque la forme ne correspondra pas du tout aux attentes de ma fille. Mais je me suis bien amusée à le monter. Et par contre, je veux un objet fini.
Oui, Camille se posait la question notamment dans sa vidéo. Elle pense être plutôt une process knitter, donc vraiment apprécier le processus de tricot. Moi, je crois que je suis un peu entre les deux, mais j'aime beaucoup les projets finis. Et donc, je me pose beaucoup de questions maintenant, là en ce moment, sur mes prochains ouvrages. J'ai vraiment envie qu'ils correspondent à quelque chose que je peux porter, dont je suis fière et qui me fait du bien et dans lequel je me sens bien, etc. Donc, voilà, c'est une réflexion en amont et c'est vrai que ça peut être un peu frustrant des fois de faire des vêtements et puis de pas avoir le résultat qu'on espérait et puis mais c'est un chemin. Oui, donc c'est un chemin pour apprendre à se connaître aussi, apprendre à savoir qu'est-ce qui nous met à l'aise, dans quoi on se sent bien. Et voilà, bah, je trouve que c'est un chemin enthousiasmant que j'ai envie de continuer avec vous à mes côtés, puisque bah, vraiment, merci beaucoup pour tous vos messages, que ce soit en commentaire ici ou en privé sur Insta. Enfin, vous êtes nombreuses à être venues vers moi pour me dire que vous trouviez les vidéos inspirantes. Et moi, ça m'a fait beaucoup de bien de parler de tout ça aussi. C'était pas du tout une psychothérapie, mais en même temps, un partage, vraiment un partage de me dire, voilà, je peux partager parce que je sais que vous comprenez et que certaines sont dans les mêmes interrogations que moi. Donc voilà, je reviendrai vous parler du pouvoir du tricot. Je suis en train de le lire à un rythme très ralenti parce que bon, bah, j'ai pas de cerveau en ce moment, mais le début est vraiment chouette et je dois aussi vous parler du mémoire dont j'avais touché deux mots il y a quelques temps. Donc voilà, ce sera l'occasion d'une prochaine vidéo et puis je compte bien vous faire un podcast dans pas longtemps. Et puis en attendant, ce soir, je fais un live sur Instagram pour annoncer les gagnants du Halloween. Je crois pas qu'on a eu de participation masculine, mais vous me corrigerez si je me trompe. Mais j'ai un petit pied qui est juste à côté. Donc ce soir, un petit live sur Instagram pour annoncer les gagnantes du Halloween avec Matsusagi, donc Laurie. On a déjà un petit peu répété je vais pas réussir à finir ma vidéo. Voilà, la façon dont on va tirer au sort. Je vous rappelle qu'il y aura un choix du jury, donc deux qui seront tirés au hasard. Ou peut-être même trois. On a des super lots qui vous attendent et des petites surprises. Donc, je vous montre ça tout à l'heure. Et puis, ben, en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, je vous dis à bientôt. Salut!